Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors comme d'habitude, je vais essayer de pas parler trop fort, tout du moins au début. Les enfants viennent de s'endormir, donc on va essayer de pas les réveiller. Comment allez-vous? Comment se passe votre début de semaine? J'espère que tout roule et j'espère que vous avez réussi, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, à digérer le gros morceau qu'on a fait qui était sur le JavaScript. Moi, je passe une bonne semaine. J'ai un enfant malade, mais, point de vue projet, on a avancé dans plein de choses. Je vous avais promis la semaine prochaine, la semaine dernière, je vous avais promis une bonne nouvelle et je peux l'annoncer. Du coup, ça va être, attention, instant pub. Ça fait quelques mois que je travaille sur une application web. Donc, HTML, CSS, JavaScript. Je travaille sur une application web qui sert à, qui est un outil pour les streamers. Et cette application web, pour moi, c'est un projet qui est important puisqu'elle va potentiellement me permettre de gagner un petit peu d'argent, peut-être me générer un salaire, etc. Donc ça serait plutôt chouette. Et du coup, pour une fois, je vais vous demander un service, c'est que si dans votre entourage, vous connaissez des gens qui font du stream, qui font de la diffusion vidéo ou des choses comme ça, n'hésitez pas à leur en parler. Alors cette application, ça s'appelle DekiDeki. Decky. Decky. Hop. Ça s'appelle DekiDeki. Tous ceux qui étaient là durant les 2 dernières semaines, tous les matins, et de temps en temps les après-midi, je me suis amusé à streamer le développement de l'application, tout du moins la fin de l'application et la mise en service de l'application de la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, ce matin, on a fait la fin de la mise en production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en ligne l'application et dorénavant, n'importe qui peut s'en servir. Donc si vous avez un intérêt quelconque à vous en servir, n'hésitez pas. En fait, qu'est-ce que c'est DekiDeki? Tout simplement, c'est un outil pour les streamers qui se présente de la manière suivante. Vous avez une page web que vous pouvez afficher par exemple sur une tablette. Vous le voyez pas, mais depuis, ça fait déjà quelques mois que je me sers de ça pour piloter les streams. Et du coup, ça vous permet de faire des actions dans vos streams. Donc par exemple, ça vous permet de jouer des sons, d'afficher des gifs, quand vous êtes énervé, de mettre une petite animation, etc., etc. Et de piloter ensuite les différentes scènes, faire des clips avec Twitch, etc., etc. Bref, c'est super pratique pour quelqu'un qui fait du stream. Donc si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas à leur en faire à la promotion. Dekideki.com. Voilà. Fin de l'instant pub, j'en parle pas plus. On va rentrer dans le cœur, dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va reprendre les éléments qu'on a vus la première semaine. On va refaire de l'HTML et on va faire aussi du JavaScript. On va pas faire de CSS aujourd'hui. On pourrait, mais on va pas en faire. Et je vais vous présenter un nouvel outil qui va nous accompagner pour tous les cours dorénavant, qui sera plus interactif que le classique éditeur de texte, etc., etc. Donc on va commencer par ça. L'outil que je souhaite vous présenter, il s'appelle jsfiddle.net. Alors, je vous le copie dans le chat, ça peut être pratique. Ça s'appelle jsfiddle.net. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser ça? Déjà parce que c'est une idée qu'on m'a proposée la semaine dernière, j'avais pas pensé avant, mais parce que c'est un truc super pratique. Vous voyez? Je peux faire, on va l'appeler test live tuto. Dans cet outil-là, on a 4 sections. Une section HTML ici, une section JavaScript là, une section CSS ici, et une section résultat ici. Alors tout est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte à comprendre. Et en fait, ce qui est vachement pratique, c'est que ici, vous avez le fameux body de votre page web, donc tout le contenu que vous pouvez mettre habituellement. Donc par exemple, je peux taper une balise strong qui s'appelle coucou. Et ensuite, quand je vais cliquer sur run, pour démarrer, comme quand on avait le simulateur pour l'Arduino, on va pouvoir directement voir le résultat de ce qu'on vient de faire. Donc, du coup, vous avez à la fois votre code HTML, CSS et JavaScript qui s'exécute dans un simulateur qui est là, comme on avait pour le simulateur Arduino, un petit peu de la même façon. Et ici, je pourrais tout à fait m'amuser à modifier des différentes choses, par exemple, mettre de la couleur. Voilà. Et alors pourquoi je vous présente ça? Parce qu'en fait, avant, je pouvais difficilement vous partager les codes des différents cours. Chaque fois que je faisais un cours, j'avais le code qui était en local sur mon PC et je ne pouvais pas vous le partager. Là, le gros avantage, c'est que dorénavant, j'ai une adresse unique à chaque fois que je vais créer un nouveau JSFiddle, un nouveau fiddle. Donc à chaque fois que je vais créer un nouveau fiddle, j'aurai une adresse unique. À chaque fois que je vais sauvegarder, ça va versionner le fiddle, vous pouvez revenir en arrière, en avant, etc. Et du coup, si je vous partage cette adresse-là, vous pourrez
faire une branche, fork, on appelle ça forquer, faire un fork, vous pourrez reprendre à votre compte ce qui a été fait et le modifier, l'améliorer, etc., etc. Donc ça va être vachement pratique ensuite dans le cadre du fil rouge, etc. Donc voilà, ça sera l'outil qu'on va utiliser. Je vous présente pas tout ce qu'il y a, je vous présente pas toutes les options, etc. Retenez juste que ça c'est pour démarrer, sauvegarder ou CTRL S, et ensuite si vous souhaitez en faire une branche, si vous souhaitez le modifier. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle jsfiddle.net. Donc du coup, aujourd'hui, on va directement commencer à s'en servir. Aujourd'hui, on va parler des formulaires. Alors un formulaire, qu'est-ce que c'est ? Les formulaires, vous les connaissez forcément. Vous en avez tous rencontré dans votre vie, puisque vous avez tous eu, à un moment ou à un autre, à remplir soit en ligne un truc pour vous connecter à un service, par exemple mettre votre pseudo et votre mot de passe, rien que pour aller sur Twitch, vous avez créé un compte, il y avait un formulaire pour la connexion qui vous demandait un pseudo, un mot de passe. Donc ça, c'est les formulaires qui sont en ligne. Et vous avez aussi des formulaires dans la vraie vie. Par exemple, pour ceux qui sont plus adultes d'entre nous, vous avez les fameux CERFA, vous savez, les formulaires administratifs avec 10 milliards de cases et 10 milliards de choses à remplir, ou il y a des formulaires plus simples à remplir aussi. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle des formulaires. Et bien, en web, vous avez exactement la même chose, les formulaires. Un formulaire, comment ça se présente ? Alors, non. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Déjà, le JS fidèle du jour, ça sera celui-ci. Donc, si vous ouvrez cette page-là, normalement, vous allez récupérer exactement le contenu que j'ai inscrit dans la page actuellement. Vous aurez exactement la même chose. Donc, oui, c'est bon, ça fiche. Donc, tout d'abord, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va mettre un paragraphe tout bête dans notre page. D'ailleurs, je m'amuse à le colorer. Je vais mettre un petit background color. Background color. Et on va faire quoi ? On va faire un petit gris. Un petit gris tout bête. Et il n'y aura pas de texte dedans pour l'instant. Et en dessous, je vais mettre un bouton. Ce bouton, pour l'instant, il ne sert à rien. Si je lance, vous avez une zone vide où il y aura le résultat et en dessous un bouton. La chose suivante que je vais faire, ça va être créer un tout petit peu de JavaScript. Donc ici, j'ai ma zone de JavaScript qui va faire la chose suivante. Elle va créer une fonction. Donc j'espère que vous vous rappelez un petit peu de la semaine dernière. Donc on va créer une fonction qui s'appelle résultat. Et dans cette fonction, on va d'abord, je vais le mettre comme ça, résulte. On va d'abord aller sélectionner avec document.querySelector la balise P qui contiendra le résultat que l'on souhaite afficher, qui contiendra l'information que l'on souhaite afficher. Et ensuite, pour le test, on va changer le contenu de texte de la balise ici. Et on va mettre dedans la chaîne de caractères « Salut tout le monde ». Ok, donc ça c'est juste une fonction qui va faire ça. Ensuite, on va trouver le bouton qui est sur notre page, avec bouton égale document query selector, l'ID mon bouton. Et ce bouton, on va ajouter un écouteur d'événement. Donc c'était ce qu'on avait vu à la fin du cours la semaine dernière. Donc si vous vous rappelez pas, je vous inviterai à aller voir sur la chaîne YouTube. Donc sur ce bouton, on va ajouter un écouteur d'événement qui sera que lorsqu'on clique sur le bouton, on exécute la fonction résultat. Donc si on teste ça, quand je vais cliquer ici, ça modifie le texte qui est dans le résultat. Ok ? Donc ça va être un petit peu ma base pour tout le reste que je souhaite faire. Maintenant, passons au fameux formulaire. Un formulaire, ça se crée de la manière suivante. Tout d'abord, il va y avoir une nouvelle balise qui s'appelle Form. C'est la version anglaise de formulaire. Ce formulaire, vous pouvez lui donner un nom. En l'occurrence, là, je lui ai donné le nom name test 1. Puisque c'est le premier formulaire de ma page, on en aura d'autres après, donc je vais numéroter. Test 1. Dans un formulaire, vous allez ajouter ce qu'on appelle des champs. Alors, il existe plusieurs types de champs. Par exemple, on va avoir un champ qui va s'appeler label. En français, un label, c'est une étiquette. Le champ étiquette, il sert à rien. Il sert à donner une information à l'utilisateur. Vous allez comprendre juste après pourquoi. À côté, vous aurez un champ, alors là c'est important, qui est de type input.
Input en anglais, ça veut dire quelque chose que l'on prend depuis l'utilisateur, quelque chose que l'utilisateur nous donne, information que nous donne l'utilisateur. D'accord? Donc input, ça va être une information qui provient de l'utilisateur. Cet input, il va avoir un type. En l'occurrence, le type ici, ça sera texte. Donc en gros, ici, on va demander une information à l'utilisateur qui sera de type texte. On va demander un texte à l'utilisateur. Et cet input, pour le repérer plus tard, on lui donne un petit nom qui sera prénom. Purement arbitraire. J'aurais pu mettre n'importe quoi, ça fonctionnait. On va recréer la même chose ici, un label et un input, par contre avec nom. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Tout de suite, je vais relancer ça. Et donc on voit bien notre bouton, comme tout à l'heure. Et en dessous, on a vu l'apparition d'un truc qui s'appelle prénom et d'un truc qui s'appelle nom, avec à chaque fois une zone de saisie. Cette zone de saisie, c'est notre fameux input. Le label, il sert juste à préciser une information auprès du champ. Et le fait que dans notre label, on ait rajouté l'attribut for, donc pour en français, ça nous permet de dire que ce label va servir à cibler ce champ-là. Ça peut paraître inutile comme ça, mais vous verrez un peu plus tard que ça a de l'importance, notamment quand on a des cases à cocher. Donc là, pour l'instant, c'est pratique surtout pour les lecteurs d'écran qui permettent de repérer les choses géographiquement. Pour les personnes malvoyantes, les personnes malvoyantes ont un navigateur qui leur permet de lire qui est en train de se passer. Et le navigateur d'écran, quand il est en train de lire, il va voir, OK, il y a une étiquette qui s'applique à un champ de type texte et l'étiquette est prénom. Voilà ce qui se passe quand vous avez un navigateur d'écran, quelque chose qui lit l'écran. Donc c'est important pour la sémantique. Comme on voyait dans le tout premier cours, la sémantique c'est important. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser à rajouter un petit peu de JavaScript pour tester tout ça. Donc ce qu'on va faire, dans mon JavaScript de tout à l'heure, je vais rajouter une variable qui va s'appeler forme1 et qui va attraper le formulaire de la façon suivante. Document. Dans le document, on va aller attraper tous les formulaires et on va prendre le formulaire test1. Vous vous rappelez, avec le nom qu'on a donné tout à l'heure. Donc là, ma variable forme1, elle contient le contenu de ce formulaire-là. D'accord? Et maintenant, quand je vais accéder à ma variable forme1, j'aurai accès à un truc qui s'appelle élément au pluriel, element. Et dans elements, je vais pouvoir accéder à tous les champs qui sont de type formulaire. Donc le champ input, par exemple, on pourra y accéder. Et on accédera à ces champs, pareil, grâce à leur name. Donc là, forme1.element.prénom, on pourra avoir sa valeur. Si on fait juste ça, par exemple, ici, dans la boîte P qu'on a identifiée au début, qu'on a récupérée grâce à ça, dans la boîte P, on va changer le texte et on va lui mettre que le texte, dorénavant, ça sera égal au champ prénom du formulaire 1. Et ce champ prénom, on va prendre sa value, sa valeur. Donc la valeur d'un champ de type texte, ça va être le texte qui est entré ici. Donc si je relance ça, je tape Eskimon, puis quand je clique sur mon bouton, automatiquement, ici, on verra le champ qui va prendre la valeur Eskimon. Donc il a pris vraiment la valeur qui était là. J'aurais pu ajouter aussi, donc là je fais une concaténation de chaînes, j'ajoute une chaîne à la suite de l'autre. Et j'aurais pu ajouter par exemple, alors c'est dommage, ça va passer à la ligne, mais c'est pas grave. J'aurais pu ajouter le nom. Et pareil, je prends la value. Donc si je fais ça, je n'oublie pas de cliquer sur run. Eski. Et là je mets mon. Et donc ça va faire eski-mon. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que pour l'instant ça va? J'ai grossi le texte, si c'est toujours trop petit, n'hésitez pas à le dire. Alors j'ai grossi de manière assez sauvage. J'ai des retours sur YouTube comme quoi les textes n'étaient pas toujours super faciles à lire. Apparemment en général sur Twitch ça se passe bien, mais bon, je préfère que ça soit plus facile pour tout le monde. Non, c'est bien, ok, c'est cool. Bon, bah, parfait. C'est le problème après quand on grossit, c'est, vous voyez, c'est que ça passe sur plusieurs lignes et tout, donc on perd en fluidité de lecture. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Si ça, ça va. On continue. Donc un formulaire, ça contient des champs, et ces champs peuvent être ciblés par un label, décrits par un label. Donc ça, c'était le champ le plus basique, qui
qui est le champ de type texte. Maintenant, on va regarder un autre formulaire qu'on va mettre comme nom, on va l'appeler form 2. Ce form 2, pareil, il va se composer. Hop, je cache tout ça. Ce form 2, il va se composer là encore d'un label, donc une étiquette, qui va s'appliquer sur un champ qui a de type qui a comme nom email. Et ce champ email va avoir comme type email. Qu'est-ce que ça a comme importance? Vous allez le voir. Si je lance ça, on va tout de suite le lancer pour voir la différence. Je le lance. Et là, on voit que ici, le champ, si je tape n'importe quoi, il va passer en rouge. J'ai rien fait de plus. J'ai pas fait de nouveau JavaScript ou quoi que ce soit. Il est automatiquement passé en rouge dès que j'ai relâché le focus. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit de type email, votre navigateur automatiquement va savoir qu'il faut reconnaître quelque chose qui ressemble à une adresse email. Vous voyez là, quand je clique à l'extérieur, j'ai une adresse email, ça fonctionne. Si je tape un truc qui ressemble à une adresse email, ça fonctionne. Si j'avais juste mis ça, ça ne fonctionne plus. Il manque le domaine derrière. Si je le remets, tout marche. Donc le fait de mettre email, ça va nous permettre de paramétrer le champ et donc ce qu'il est censé recevoir. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai rajoutée, histoire qu'on progresse. Ça s'appelle le placeholder. Un placeholder, c'est une valeur de description en quelque sorte. Donc vous voyez par exemple, là j'ai mis contact@eskimon.com. Essayez pas d'y écrire, cette adresse n'existe pas, elle ne fonctionne pas. Donc pas la peine de vous embêter à la spammer. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai un texte qui n'est pas sélectionnable, qui est marqué en gris clair. C'est juste un texte de proposition, ça vous permet à vos utilisateurs de les guider dans ce qui est attendu comme type de contenu. Donc là, ils voient bien qu'il faut attendre une adresse email. Au cas où c'était pas clair, ils voient bien qu'il est censé mettre une adresse email. Ensuite, j'ai rajouté de nouveau une autre étiquette qui s'appelle mot de passe, qui va cibler un champ qui s'appelle MDP comme mot de passe. Et ce champ, cet input, va être de type password. Là encore, ça ressemble à un champ texte. Sauf que dorénavant, si je tape un mot de passe, on va avoir des petits points à la place de notre mot de passe. Ça évite que quelqu'un qui est en train de regarder puisse voir votre mot de passe en clair. Donc ça permet de faire la saisie d'un mot de passe sans que ça soit visible de l'extérieur. Mais alors attention. Ici, je vais récupérer mon formulaire. Form 2. Et on va faire pareil. On va mettre form 2 élément email point value et form 2 élément mot de passe point value. Je relance. Voilà. Je mets un email, contact@email.com, mot de passe. Clic, clic, clic. Ah, j'ai fait une bêtise. Pardon, form 2. Hop. email@test.com, mot de passe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a bien, comme prévu, notre email dans la value du champ email du formulaire qui s'appelle form 2. Et là on voit mon mot de passe. Mon mot de passe qui était protégé par des petits points. On voit qu'en fait, point de vue du navigateur, ici donc ce qu'on appelle le client, dans votre navigateur à vous, il n'y a rien qui est protégé. Certes, la saisie, c'est des petits points, on ne voit plus que des petits points, mais concrètement, dans le navigateur a toujours connaissance du mot de passe que vous êtes en train de rentrer. Ça lui permettra de l'expédier après vers un serveur qui pourra valider, etc. etc. Donc méfiez-vous. Si vous faites une demande de saisie à un utilisateur, méfiez-vous comment vous utilisez ça après pour ne pas aller l'afficher bêtement à l'utilisateur et qui pourrait se rendre compte qu'effectivement il a tapé, qu'il pourrait le montrer à tout le monde, quoi. Donc il faut se méfier. C'est pas parce que le mot de passe ici, il est dissimulé, que concrètement dans votre code, il est dissimulé. J'aurais pu le stocker dans une variable, cette variable elle aurait eu la connaissance du mot de passe en clair, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok? Allez, on continue. On va commencer à faire des choix. Il y a des élections bientôt, c'est important. Faire des choix. Forme. J'avais oublié de mettre les petits noms, alors du coup, il faut que je la mette. Forme 3. Maintenant, on va voir un nouveau petit type de formulaire
Non, pas enregistré. Un nouveau type de formulaire qui va être ce genre de petits boutons. Vous savez, les petites sélections qu'on peut faire avec des petites puces. Avec par défaut, aucune puce de sélectionner. Ces petites puces-là, on appelle ça des radios. RADIO, comme une radio pour la musique. Des boutons radio. Les boutons radio, par défaut, si j'enlevais les étiquettes, les boutons radio, ils s'afficheraient juste comme ça. Donc là, on est un peu obligé de mettre un texte à côté pour qu'il soit visible. On le reformule comme ça. Et les boutons radio, ils ont une particularité, c'est que, certes, ils sont tous du même type, évidemment, qui est type radio, mais par rapport à tout à l'heure où on avait un nom différent par champ, ici, les trois champs que je vais utiliser ont le même nom. Là, par exemple, je voulais vous faire sélectionner une boisson, donc j'utilise trois fois le nom boisson. Ils ont trois fois un nom différent qui va être boisson. Pourquoi ça? Mais en fait, en faisant ça, ça vous permet d'avoir un comportement qui est exclusif entre les trois boutons. Si ici j'avais mis un autre nom, par exemple repas, si j'avais mis un autre nom, et bien ici les deux qui étaient avec le nom boisson auraient bien été ensemble. Par contre, l'autre n'aurait pas été exclusif avec les autres. Il aurait composé son propre groupe qui est le groupe repas. Donc vous en auriez eu deux qui marchaient ensemble et un qui marchait tout seul puisqu'il n'y a personne qui le concerne finalement. Hop, je remonte. Je remets ce que j'avais fait. Et enfin, tout à l'heure, la valeur, c'était celle qui était saisie par l'utilisateur. Ici, la valeur, c'est nous dans le programme qui allons l'imposer. Donc là, par exemple, j'ai une première valeur qui va être café, une deuxième valeur qui va être thé, et une troisième valeur qui va être soda. Café, café, thé ou soda. Et ici, dans mon formulaire, ça m'évitera de modifier ça à chaque fois. Dans notre formulaire, je vais pouvoir récupérer l'information du champ boisson. Et du coup, la valeur, ici, le boisson.value, ça sera la valeur de l'élément qui est sélectionné. Si je lance ça, admettons que je sélectionne T, quand je vais faire clic, 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 résulte prendra la valeur de boisson qui est T, qui est ici, T sans accent, T-E-H-E, sans accent. Si j'avais sélectionné café, ça aurait été café. Et si je sélectionne soda, évidemment, c'était soda. Et ils sont bien exclusifs. À chaque fois que je change, ça écrase l'ancien résultat. OK? Donc ça, c'est le type radio. Les types radio, ce sont les petites puces qui sont exclusives les unes aux autres. Donc c'est bien, par exemple, si vous avez une sélection à faire, votre utilisateur doit faire un choix qui est exclusif. Le choix doit être fait une option parmi plusieurs. On retrouve souvent des radios comparées avec des boîtes à cocher, des cases à cocher. Les cases à cocher, vous les connaissez, elles ressemblent à ça. Là, ce sont des choix qui ne sont pas exclusifs, ce sont des choix qui peuvent être complémentaires. Donc la différence, c'est que ici on avait un type radio, ici on aura un type checkbox. On peut pas mettre accent. Si on peut. Attends. C'est vrai que j'ai l'habitude de coder en anglais, donc j'ai jamais d'accent dans mes programmes, donc par défaut j'en mets jamais. Mais si, si, on aurait pu faire ça. C'est des chaînes de caractères ici en fait. Dans tes valeurs, c'est des chaînes de caractères, donc tu peux mettre ce que tu veux. Tu auras même pu mettre des objets de type JSON ou quoi que ce soit. Là, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Si tu t'y connais un petit peu tu travailles un peu du JSON ou des trucs comme ça, du JSON, bah là, tu aurais carrément pu mettre un objet JavaScript de type JSON. Mais si, si, tu peux. Allez, on relance, clic, 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 café, café. Ça fonctionne pareil. J'aurais pu mettre des majuscules, etc., etc. C'était une très bonne question. Hop. Ici. Donc, je disais, les radios, elles sont exclusives. Et on a aussi les checkbox qui sont complémentaires. On peut sélectionner plusieurs valeurs pour les mettre ensemble. Donc là, par contre, les checkbox, elles vont pas former un groupe, donc elles auront chaque boîte à cocher aura un nom, donc par exemple Arduino, Web, tout, etc. Chaque boîte à cocher aura un nom. Je peux le relancer et donc on pourra sélectionner les unes par rapport aux autres. On peut mettre un petit texte qui va bien pour chacune.
J'aime Arduino, j'aime le web, j'aime bien tout aussi. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Form, on rajoute le petit nom, form 4. Voilà. Oulala, formulaire, la vieille faute. Formulaire. Et là, maintenant, on va pouvoir accéder, par exemple, accédons à Arduino et regardons sa value. Je vais rien faire de particulier. On regarde juste sa value. Arduino.value. Je run. Ça m'affiche Arduino. Si je clique. Ah, pardon. Je fais une bêtise. C'est mon copier-coller de tout à l'heure. Ah non, j'accède pas. Pardon. Je suis pas en train d'accéder à la bonne propriété. Arduino, ok. C'est checked. Voilà. False. True. Voilà, c'est ça. Pardon. Pour les éléments de type checkbox, la propriété qu'on va chercher à les lire, ça ne sera non pas la propriété value, mais ça sera la propriété checked. En gros, check, coché, participe passé. Checked. Est-ce qu'elle est cochée? Si elle est cochée, dans ces cas-là, on aura l'information true, qui veut dire vrai. Si elle n'est pas cochée, dans ces cas-là, on aura l'information false, qui veut dire faux. Donc là, après, vous pourriez faire des traitements particuliers ou des choses comme ça. Donc ça fonctionne pour, évidemment, tous les champs. On va m'amuser à aller faire les trois, mais on pourrait. Voilà. Et le troisième, ça serait exactement pareil. Si je mettais tout ici, ça fonctionnerait exactement pareil. Donc là, attention, les checkbox, on va vérifier non pas la value, mais la propriété checked, pour vérifier si elle est cochée ou non. Hop, et c'est reparti. Maintenant, on va voir deux trucs, gros, qui sont... Allez, je vais les mettre ensemble. Je ne les avais pas mis ensemble, mais c'est pas un souci. On va les mettre ensemble, parce qu'ils, après tout, font un peu la même chose. C'est des trucs dont on se sert un peu moins souvent, mais c'est bien de les connaître. Je les ai mis là surtout pour la culture. Ça va être les champs de type date et les champs de type datetime. Notamment datetime local. Je vous le lance tout de suite. Vous avez sûrement déjà deviné ce qu'ils allaient faire. Un champ. Pardon. Un petit saut de ligne, histoire qu'on puisse y voir quelque chose. Voilà. Voilà. Ces champs-là. Quand vous cliquez dessus, votre navigateur va vous proposer un élément de saisie particulier adapté. Donc par exemple, pour un élément de type date, vous allez pouvoir sélectionner une date. Par défaut, si vous ne précisez rien pour paramétrer le champ, par défaut, la date sera la date du jour, et ensuite vous pouvez explorer dans votre calendrier. Ça s'adapte très bien sur un navigateur, comme ici, mais ça s'adapte très bien aussi sur mobile. Automatiquement sur mobile, vous aurez une sélection à faire dans un calendrier. Et ici, le champ date time local, ça fonctionne exactement pareil. Quoi? Pourquoi il veut pas? Firefox, il veut pas le... il le supporte pas? C'est marrant, je l'avais pas testé tout à l'heure, j'aurais dû. Eh ben, je serais prêt à parier que sur téléphone ça va fonctionner. Ah, c'est marrant, j'aurais cru qu'il fonctionnait sur navigateur. Bon, bah, c'est la déception. Il fallait bien que à chaque fois il y a un... à chaque fois il y a un raté. On voit pas le menu déroulant. On voit pas le menu déroulant. Alors attends. Ah, tu... Ouais. Bon, grosso... Attends. Ah, d'accord, quand je fais ça, tu le vois pas, effectivement. Bon, bah, il va falloir me croire sur parole. Ah, c'est dommage, j'ai toujours les problèmes de... Je sais pas pourquoi il enregistre pas les menus contextuels. Quand il y a un menu contextuel, il les enregistre pas. Donc, il va falloir me croire sur parole. Il y a un petit calendrier qui s'affiche. Et ce petit calendrier, bah, vous permet de faire une saisie. Si vous le testez... Regarde. Save. Hop. T'invite. Hop. Tu peux le tester directement, et comme ça tu pourras voir le résultat. Et c'est vrai qu'il y a un souci avec les trucs comme ça. Donc là pareil, quand vous sélectionnez une date, automatiquement, vous pouvez aussi l'avoir après, form, name, jump, hop, form, je ne sais plus à combien on est rendu, 4, 5, 5. Form 5, et là on va reprendre la value. Value. Form 5, formulaire, texte en temps, blablabla, hop, run. Je prends une date, par exemple le 12 mars, clic, 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 et ça m'a mis une date. Alors attention, la date n'est pas forcément formatée comme vous pouvez y attendre. En fait, ici, on a un type
Là, ça apparaît en chaîne de caractères, mais on a un type qui est un type d'objet de date. Donc, ça pourrait être manipulé comme une date. On y reviendra sûrement. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail à ce niveau-là pour l'instant. On va se concentrer sur les formulaires. Mais on y reviendra tôt ou tard sur les dates et la manipulation des dates avec le JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a deux autres trucs que je vais réunir. Hop! Je rajoute mon petit souligne. Après, on peut avoir des saisies. Alors, je vous rappelle que l'objectif, ça va être de faire une to-do list. Donc, une to-do list, ça va être bien de pouvoir mettre des quantités, des trucs comme ça. Donc, pour mettre des quantités, ou des volumes, ou des trucs comme ça, on aura besoin de faire une saisie d'un nombre. C'est l'ennemi. On va avoir besoin de faire une saisie d'un nombre. Et la saisie d'un nombre, encore une fois, on va reprendre l'input, et on prendra un input de type number. L'input de type number va forcer l'utilisateur à saisir un nombre. Vous voyez, si je tape là sur la lettre R, et qu'après je change, ça va me mettre en rouge, comme quoi la saisie est mauvaise. Si je tape après un nombre, ah, max 10. Si je tape un nombre, ça passe. Si je tape une lettre, ça passe pas. Les champs de type nombre, donc number, là encore, je lui ai mis un petit nom, on peut le paramétrer. Donc là, il y a quelques paramètres que j'ai mis pour l'exemple. Par exemple, ici, le minimum qui va être accepté ici, ce sera 1. Ça aurait pu être moins 10 aussi. Par exemple, j'ai changé. Le minimum, ça sera moins 10. Le maximum, ça va être plus 10. Et le step, c'est-à-dire le nombre de pas qu'on va faire en cliquant, ça sera 2. Si je relance ça, par exemple, je vais mettre 2. Quand je vais faire défiler, ça va monter. Merci Nili, c'est cool. Merci pour les 50 bits. Ça réveille tout le monde, c'est bien, tu mets tout le monde en forme. Quand je vais cliquer sur les petits sélecteurs à droite et à gauche, ça va monter de 2 en 2. Ça ne m'interdit pas de faire une sélection à la main pour mettre par exemple 3. Pourquoi il me l'a surligné? Et donc après, on peut descendre aussi avec les flèches du clavier. Et le minimum sera moins 10. Si je mettais moins 14, ça va me dire en rouge que c'est pas bien, c'est pas une valeur attendue. Donc voilà. Et en dessous, pareil, je vous ai montré un autre type qui est le type range. Le type range, ça va vous permettre d'avoir un espèce de slider comme ça qui va prendre ses valeurs entre 0 et 100. Et là, la step, donc le pas de mon slider, vous voyez, il saute par cran. Ça va être de 5 en 5. Si j'avais mis par exemple 10 en 10, l'impression de cran, elle va être plus large. Vous voyez, il fait des grands bonds. Si j'avais mis 1, il aurait été beaucoup plus fluide dans le déplacement. Et c'est beaucoup plus souple. On n'a pas des sauts comme tout à l'heure. Parce que là, on passe de 1 en 1 en 1 en 1. Et comme tout à l'heure, un petit nom, forme 6, si je dis pas de bêtises, forme 6. Comme tout à l'heure. Il suffit d'accéder à la value pour avoir la valeur que l'on souhaite. Donc là, si par exemple je mets 4, clic, 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 ça vaut 4. Exactement pareil pour le type range. Je continue à avancer, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un truc. Ça fait un peu liste à la Prévert, mais malheureusement, enfin malheureusement, heureusement aussi, les formulaires c'est un élément indispensable en fait du web puisqu'on en met partout tout le temps. Donc tôt ou tard il fallait y penser. On aurait pu les voir au fur et à mesure, mais je préfère qu'on ait ça derrière nous et revenir plus tard sur chacun des trucs quoi. Allez, on s'accroche, il n'en reste plus que deux. Après on aura fait le plus pénible. J'aurais pu faire un seul ligne. C'est marrant, je pensais que le select il était. Je pensais que le select il était de type bloc, mais il ne l'est pas apparemment. Une avant-dernière chose. Il y aura encore des trucs à parler après, mais une avant-dernière chose pour les différents types de formulaires, ça va être le type select. Alors le type select, je vais cacher ça pour l'instant. Le type select, il vous permet d'afficher un menu déroulant, comme ceci, où vous pouvez sélectionner un élément. Donc un bouton, une Arduino, une LED, etc., etc. Ça vous permet de sélectionner un élément. Vous pouvez afficher plusieurs éléments avec l'option size. Je ne vais pas la mettre pour l'instant. Ah mais attends, c'est pour ça que ça s'est mal affiché. Form. Form M6. Form 7. Form. Hop. Bien incrémenter tout ça. Et donc là, pareil, form 7. On va chercher à atteindre notre élément composant. Et donc ici, la sélection,
on va sélectionner quelque chose, et ce quelque chose, quand on va sélectionner, quand on va accéder à composant, ce quelque chose, ça sera la valeur qui est actuellement sélectionnée. Donc là encore, hein, comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre résistance au pluriel. Oh, avec des accents, ça marchera. Donc si je fais ça, je sélectionne par exemple le bouton, clic, 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 bouton. Si j'avais fait la résistance, c'est pas le texte qui est là, hein, ça sera bien le texte qui est ici, qui va être sélectionné. Et pour vous montrer que c'est bien du texte, si je mets un espace, ça fonctionne quand même. Donc là, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la représentation qu'on veut ici, donc qui doit être absolument une chaîne de caractères. Ça, c'est la représentation qu'on veut dans le menu déroulant. Et il y a la valeur qu'on veut pour cette option-là. Donc là, il y a une option. Une option. Elle a un texte. Et elle a une valeur. Ça aurait pu être la même chose. C'est pas un problème. Mais c'est pas nécessairement la même chose. Donc c'est bon à savoir. Vous voyez, c'est super, ça marche bien. Tous les éléments qu'on a vus depuis tout à l'heure, à chaque fois, on pourrait leur ajouter un écouteur d'événement pour que quand ils changent de valeur, automatiquement ça se mette à jour ici. On le fera juste après. Un dernier truc qu'on va voir, dont on sert régulièrement, ça va être le text area. Le text area, c'est un truc archi classique, c'est le champ de texte. Donc vous avez souvent des champs de saisie comme ça, par exemple quand vous êtes sur Twitter pour envoyer un tweet, vous aurez un champ par exemple comme ça, qui va prendre cette allure là. Et bien ce champ là, c'est ce qu'on appelle un text area. Par défaut, il a une certaine taille. Par défaut, il a une certaine taille. J'ai pas remis le form. 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 Voilà. Form 8. Par défaut, il a une certaine taille. Et cette taille-là, elle est assez réduite. Donc si vous voulez, vous pouvez la modifier en mettant le nombre de colonnes. Alors le nombre de colonnes, ça va être le nombre de caractères que vous voulez en vertical. Donc par exemple, si on veut 7 caractères, on tape 7. Du coup, ça va nous faire que 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on pourrait mettre un truc un peu plus généreux. Et le nombre de lignes que vous voulez. Donc, par exemple, 3 lignes, ça vous permet d'afficher 3 lignes comme ceci. 3 lignes. 1, 2, 3. La quatrième, on la voit pas, mais si je continue à taper, hop, ça fait 3 lignes. Ah, il m'en compte 4. D'accord. Bon, pourquoi il en a compté 4. Après, les navigateurs modernes permettent de resizer à la volée. C'est pas très dramatique d'avoir un truc trop petit. Mais bon, si vous savez que l'utilisateur va devoir taper beaucoup de texte, soyez gentil, donnez-lui tout de suite une grande zone de texte. Allez pas le restreindre à un truc ridicule. On va faire par exemple un truc comme ça. Et là encore, comme tout à l'heure, en accédant à l'objet, à l'élément message en l'occurrence, on aura le contenu qu'on pourra recopier. Hop, voilà. Voilà. Comme d'habitude. À chaque fois, c'était exactement pareil, on accède exactement aux mêmes choses. Alors, voilà, on a fait le truc un peu relou où on s'embêtait à faire la liste de tous les éléments. Vous avez vu de manière dynamique un petit peu tous les éléments qui existaient. Maintenant, je vous dis, il y a deux choses à voir. Tout d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, on peut associer des écouteurs d'événements à nos objets. Par exemple, ici, on pourrait l'appeler sélecteur, et on pourrait dire qu'à chaque fois que le sélecteur y change, dans ces cas-là, il faut mettre à jour le texte content. Donc, par exemple, ici, ça va être composant. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est que on peut ajouter. Alors, on va aller chercher. On va ajouter une variable qui s'appelle le sélecteur. Sélecteur. Il va chercher l'ID sélecteur. Et dorénavant, on ajoute un écouteur d'événement pour que, à chaque fois que les sélecteurs changent. Alors, pour connaître tous les écouteurs d'événements possibles, Google, vous tapez HTML select. Listener, et vous aurez tous les trucs possibles et imaginables. Et dorénavant, quand la valeur elle va changer, normalement, c'est censé mettre à jour notre champ texte juste au-dessus. Voyez, bouton, Arduino, de manière complètement dynamique, sans avoir rien à faire. Dès que ça change, automatiquement, on fera appel à la fonction qui est ici. Bouton,
Arduino, LED, etc., 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 etc. Donc ça vous permet déjà de rajouter un petit peu de dynamisme à vos pages, en rajoutant des actions comme ça un petit peu dynamiques. Et une autre chose qui va être importante, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que normalement un formulaire, ça ne s'utilise pas que comme ça. Donc là vous avez un formulaire qui est tout bête, c'est très bien. Il est sur votre page, ça vous permet de sélectionner plusieurs trucs. Donc là par exemple vous avez un sélecteur, vous pourriez avoir en plus plein d'autres champs. Mais normalement un formulaire, il va être à destination d'un serveur. Vous avez une machine. Ouais, moi j'avoue que sur le texte tout à l'heure, je ne savais pas quoi mettre. Alors je me suis dit, allez, c'est parti. Donc normalement, votre formulaire, il est servi, il est généré par un serveur. Le serveur vous envoie la page web, donc avec le formulaire, etc., etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que derrière, quand vous allez remplir votre formulaire et cliquer sur le bouton envoyer, vous allez envoyer le résultat du formulaire, c'est-à-dire que vous allez envoyer le formulaire avec tous les champs qui auront été remplis à votre serveur. Et pour ça, c'est ce que s'appelle une action. L'action, ça va être vers quel chemin, vers quelle adresse envoyer votre formulaire. Par exemple, si votre serveur, il a une page, il a une, ce qu'on appelle une route, il a une page qui sert à traiter les résultats de formulaire, dans ces cas-là, votre formulaire, l'action, ça sera d'aller vers la page traitement. Vous voyez souvent dans les exemples sur internet, vous allez souvent voir des trucs du genre traitement.php pour des pages qui sont écrites en PHP ou des trucs comme ça. Retenez juste que action, ça va vous servir à vous emmener vers une page web. Ça va littéralement vous rediriger vers une page web en emmenant le contenu vers cette page web pour qu'elle puisse être traitée par le serveur. Ça, c'est de l'action. Ensuite, il va y avoir la méthode. La méthode, pour ceux qui étaient là dans le tuto Arduino, quand on a fini sur la partie internet, la méthode, ça doit vous dire quelque chose. On en a déjà parlé. La méthode, on en connaît deux. On connaît les méthodes get et les méthodes post. Get et post. La méthode, ça va juste être la façon dont les données vont être envoyées à notre page de traitement. Donc là, si je gardais mon action traitement, si je fais une méthode get, dans ces cas-là, notre page traitement, elle va devenir comme ça. Elle va devenir traitement. Et derrière, il va y avoir un point d'interrogation qui va s'ajouter. Et tous les tous les champs, donc là par exemple mon champ select, si j'avais eu un champ quantité ici, j'aurais eu un champ quantité, etc. Tous les champs vont prendre la valeur qu'ils ont d'enregistrer. Donc là par exemple, si j'avais sélectionné LED, on aurait composant égale LED. Si j'avais eu ce champ là par exemple, je rajoute le champ volume. On aurait eu un et volume égale la valeur qui aurait été enregistrée ici, donc je sais pas par exemple 5, etc., etc. Donc quand je fais un get, on ajoute à la suite de notre page de traitement tous les champs avec leur valeur. Quand je fais par contre un post, les valeurs, elles vont être embarquées dans le corps de notre requête qui va partir vers notre serveur. Donc notre serveur, quand on va chercher à y accéder, quand on va chercher à envoyer la donnée, notre serveur, il reçoit une en-tête avec une URL. Donc l'URL, c'est ce que vous avez ici. Et c'est ce qu'on a là, qu'on complète quand on fait un get. Et quand on fait un post, on rajoute aussi ce qu'on appelle un corps, un body, un corps de texte, un corps de réponse. Je ne sais pas exactement comment le fallait, un corps. Comme quand vous avez une en-tête, un corps et un pied de page. Le corps, ça va être le contenu de votre requête. Donc quand vous allez faire un post, il y a un corps qui va être ajouté et donc ça sera invisible dans l'URL les différents champs que vous avez fournis, les différentes valeurs que vous avez fournies. Donc à chaque fois que vous allez vouloir envoyer par exemple un mot de passe, envoyer des données que vous ne voulez pas qu'elles soient visibles trop facilement, vous les enverrez avec un post. Parce que si vous les envoyez avec un get, dans ces cas-là, si quelqu'un intercepte la requête, il est capable de voir en clair les valeurs. Alors que dans un post, c'est plus compliqué. Et aussi, dans les logs du serveur, le serveur qui va recevoir les données, il va voir traitement, point d'interrogation, blablabla, dans le cas d'un get.
Alors que dans le cas d'un post, il verra juste traitement et il ne verra pas les données en détail. Donc essayez de privilégier plutôt les posts dès que vous avez des données sensibles et plutôt le get si vous avez des données que ça ne vous dérange pas que l'utilisateur puisse modifier trop facilement ou des trucs comme ça. Ça, c'était pour le post versus le get. Et mine de rien, on a été efficace parce que je crois, si j'oublie rien, je vérifie. Si j'oublie rien, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais sur les formulaires. Alors, oui, c'était costaud. Je sais, on a vu plein de trucs. C'était un peu relou parce que on a vu des trucs qui étaient à la queue leu leu, etc. Pour l'application de ToDo, je vous rappelle qu'à la fin, on va essayer de faire une application où on aura des cases à cocher. Quand on les coche, ça va dans une deuxième liste, etc., etc. Alors, c'est ma question. J'y reviens juste après. Pour notre application de ToDo, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un bouton qui va nous servir à ajouter. On pourra ajouter dynamiquement des informations. Donc, on aura un formulaire pour nous dire quelle tâche on veut rajouter dans notre liste, dans quelle liste on veut l'ajouter, etc., etc. Donc, on va avoir ce genre de truc à faire. Mais on n'aura pas de gestion de serveur. J'ai fait le parti pris que l'on gère tout uniquement en client, c'est-à-dire dans notre navigateur web. Et justement, très bonne transition avec ta question, Jean Paz. Comment on fait pour utiliser l'info getpost sur une page secondaire? Là, on va tout se contenter de faire sur une seule page. Normalement, dans un cas plus classique, on a ce qui s'appelle une gestion de type client-serveur. C'est-à-dire que vous avez une machine qu'on appelle un serveur, qui va être hébergé dans un data center, donc dans une ferme de données. Le data center, c'est un bâtiment qui contient plein d'ordinateurs sans écran, qu'on appelle des serveurs. Sur les serveurs, vous allez avoir les sites internet qui vont fonctionner. Donc là, par exemple, JS Fiddle, il est hébergé sur un serveur quelque part. Et quand on va accéder à une page web, à une adresse comme ça, on accède en fait à un serveur. Le serveur regarde le contenu de l'URL. Donc là, par exemple, il a vu que l'URL c'était ça. Donc il a su qu'il fallait me renvoyer le JS Fiddle qui contenait ça. Et parce que on est au paramètre 41, il a su que c'était à la version 41 qu'il fallait le renvoyer. Je pourrais revenir volontairement en arrière, ça marcherait aussi. Donc normalement, quand on envoie un formulaire de manière classique, donc pas comme je suis en train de faire ici, à cliquer et que ça fonctionne uniquement dans la page, quand on envoie un formulaire de manière réelle, le serveur reçoit l'information et nous renvoie derrière une réponse. Et cette réponse, elle est interprétée par votre navigateur. Donc si la réponse, elle vous renvoie vers une autre page, dans ces cas-là, votre navigateur automatiquement va afficher la nouvelle page. Des fois, ça peut être des requêtes qu'on appelle asynchrones, AJAX, c'est-à-dire qu'on fait une requête vers le serveur sans qu'il y ait de redirection ou des choses comme ça. Et donc, on fait des échanges comme ça, client-serveur. Le client, c'est vous, c'est votre navigateur. Et le serveur, ça va être un autre langage qu'on ne va pas voir dans ce cycle-là, qu'on verra peut-être plus tard, qui va permettre justement de traiter les informations envoyées par le client. Encore une fois, nous, on va se contenter pour l'instant, pour la découverte de la fabrication de pages web, on va se contenter de faire des pages web uniquement côté client. Tous les traitements qu'on va faire, on les fera en HTML, en CSS pour la mise en page, et en JavaScript pour le côté dynamique des choses uniquement dans votre navigateur. On ne fera pas de langage côté serveur, on ne fera pas de traitement serveur. Mais ça ne change rien au fait que c'est comme ça qu'on fait des pages web. Même sans serveur, on peut faire des pages web qui vont fonctionner de manière tout à fait correcte. Rajouter un serveur, ça rajoute d'une part de la complexité, mais pour des cas spécifiques, effectivement, c'est nécessaire. Mais dans notre cas, on n'aura pas à proprement parler de serveur pour traiter les données. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jean Paz? Salut THX! Alors, pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route, je rappelle que pour maintenant, pour la suite, on va plus ou moins. N'hésite pas à préciser. Si je peux repréciser un peu plus, je le ferai. J'essaierai. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, dorénavant, on va utiliser, plutôt que Sublime Text, un navigateur, on va utiliser le logiciel en ligne qui s'appelle jsfiddle.net, qui me permet de vous partager directement le contenu de ce que j'étais en train de faire. Donc là, en l'occurrence, on était rendu ici. Oui, c'est bon. Bon, bah, très bien. Encore une fois, n'hésite pas. Si tu as des questions, faut pas hésiter. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a un Discord. Le Discord, c'est un site de discussion où il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez venir poser des questions, n'hésitez pas. On a un salon pour de l'entraide, pour montrer ce que vous savez faire, pour papoter en général, etc., etc.
Donc n'hésitez pas. Je vous remets pas la page du blog parce que comme j'ai pas le contenu écrit du blog, c'est pas forcément essentiel. Et il y a aussi le Twitter où de temps en temps je poste des choses. Et il y aura sur la page YouTube tout ce que on a vu aujourd'hui. À la fin de la semaine, je vais le découper en extrait et vous le verrez posté sur la page YouTube. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à voir. Je sais que c'était pas forcément la partie la plus passionnante. La semaine prochaine, on commence le gros des trucs. La semaine prochaine, on va commencer à avoir une intégration un peu plus sympathique entre l'HTML, le CSS et le JavaScript, puisqu'on va commencer vraiment à créer nos petites listes et à créer des actions qui seront un petit peu plus sympathiques. Donc ça va commencer à prendre forme et être un petit peu plus marrant. Donc, accrochez-vous, les choses rigolotes arrivent. On va commencer à faire des choses un peu plus sympas. Faut pas avoir peur. Donc la semaine prochaine, on va commencer le fil rouge sur la to-do list, on va commencer à créer notre interface. J'ai des idées en tête, mais je compte sur vous pour solliciter aussi des idées, si vous avez, pour proposer des idées. Si vous avez des idées à mettre en œuvre, si vous dites ok, moi ma to-do list, je la vois bien comme ci ou comme ça, faudra pas hésiter à le faire. Je continuerai à proposer avec le JS Fiddle l'avancement que moi je serai en train de faire sur le live. Ça vous permettra d'aller facilement copier-coller ce qui vous inspire pour rajouter dans vos propres codes. Et si vous voulez par la suite venir sur le Discord pour montrer votre code, le JS Fiddle ça sera parfait parce que ça permettra de montrer une version interactive de votre code et du coup de pouvoir jouer avec, donc ça sera pas mal. Donc on verra comment créer les listes, comment créer les tâches et commencer à avancer petit à petit dans les différentes choses. J'espère que c'est un programme qui vous intéresse, qui vous plaît. Encore une fois, si vous voulez faire des propositions, faut pas hésiter, je suis ouvert à toutes les propositions. Le cours il est aussi là pour vous, moi tout ça je le connais déjà, donc si je fais ça c'est aussi et surtout pour vous, donc faut pas hésiter. Je refais ma petite promotion. Si vous voulez parler de ce superbe logiciel qui est tout codé grâce au cycle de programmation web et qui s'appelle Deki Deki, n'hésitez pas. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que pour moi c'est important. Ça me ferait plaisir que ça prenne de l'importance évidemment. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris à quoi ça servait, dites-vous juste que ça peut servir pour les gens qui streament. Donc si vous connaissez dans votre entourage un neveu, un enfant, ou quoi que ce soit qui se met au streaming, ça peut lui être utile. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Et si vous en parlez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Je reste dans les parages un petit peu, si vous avez des questions, sur ça, sur Arduino, sur autre chose, peu importe. Cette semaine, je serai le matin, pour le reste de la semaine, je serai pas en live. La semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais quand même pris pour habitude de commencer à streamer les... quand je travaille justement sur Deki Deki, cette semaine je pourrais pas le faire parce que j'ai un enfant malade à la maison et du coup c'est difficile pour moi de travailler devant l'ordinateur avec un enfant qui vient, qui m'enquiquine, des choses comme ça. Donc je pourrais pas streamer cette semaine. Mais la semaine prochaine, à partir de lundi, je reprendrai tous les jours, donc si vous voulez passer pendant votre pause repas ou quoi que ce soit, je reprendrai tous les jours à refaire les streams comme ça au cours de la journée pour présenter ce que je suis en train de faire. Et tout simplement, pour continuer à avancer, c'était sur une idée d'un autre streamer qui fait ça aussi. J'avais trouvé ça sympa, donc on en a parlé ensemble et il a réussi à me convaincre de faire ça aussi. Donc si vous avez envie de le faire, de venir voir, n'hésitez pas à venir voir, même pour 5 minutes, si jamais ça vous intéresse de découvrir aussi le projet que je suis en train de créer ou des trucs comme ça. C'est quoi Vue.js? Très bonne question. Quand tu fais du développement... Alors attends, c'est quand même pratique cet outil. Quand tu fais du développement web... Donc là, tu vois, on est en train de tout coder à la main. Tout à l'heure, on a créé nos événements à la main pour faire changer les interfaces et tout et tout. Vue.js, c'est ce qu'on appelle un framework. En fait, un framework, ça va être un gros module, un gros bloc de différentes fonctions qui vont te permettre d'accélérer ton développement, de faciliter ton développement. Donc là, Vue.js, c'est un de ces... qu'on appelle un quadriciel, un framework en anglais. Ça va être un framework, ça va être donc une bibliothèque logicielle qui va permettre de faciliter certains développements. Donc par exemple, grâce à Vue.js, quand je change une variable, je peux faire en sorte qu'elle s'affiche et que automatiquement l'affichage de cette variable soit dynamique en fonction de ce que je suis en train de faire avec mon serveur ou des trucs comme ça. Ça me permet d'accélérer un petit peu mon développement et de me simplifier toutes les relations entre mes données et mon affichage et ce genre de choses. Donc clairement, c'est l'utilisation avancée du JavaScript et du développement web. On ne le verra pas pendant le cours parce que c'est quand même assez avancé. Mais ça me permet d'améliorer mon développement, de le rendre plus propre en quelque sorte, puisque je peux structurer ça de manière différente par rapport à ce qu'on fait actuellement.
mais il faut bien commencer quelque part. Et voilà, c'est ce genre, c'est un outil qui me permet de faire ça. Et donc, Django, parce que c'est par rapport au texte que tu viens de dire, je suppose, Django, ça sera pour mon côté serveur. Django, c'est là encore un framework, c'est une surcouche logicielle en Python qui me permet de gérer mon serveur, donc qui va me permettre de gérer mes échanges entre le navigateur et ma base de données, donc ça va s'intercaler entre les deux, et qui va me permettre de, par exemple, sauvegarder les données, faire du traitement sur ces dernières, etc., etc. Donc il va pouvoir faire l'interface entre les deux. Voilà pour ce que je pourrais dire à peu près. C'est pas que je pourrais en dire plus, c'est que c'est pas forcément simple à expliquer, tout en restant vulgarisé le plus possible. Mais c'est les bonnes questions, c'est bien que tu t'intéresses à tout ça. T'as des objectifs par rapport au développement web, j'en passe? Est-ce qu'il y a des... T'as des idées en tête de choses que t'aimerais faire ou des trucs comme ça? Ou c'est juste par curiosité? C'est juste par envie d'apprendre de nouvelles choses. Toujours plus passionnantes les unes que les autres. Je me tiens droit, j'ai mal au dos, mais il faut pas s'étonner. Pas du tout. Je suis en première et j'essaie de développer des connaissances dans beaucoup de domaines. Et bah, c'est une très très bonne approche. Si le développement informatique t'intéresse, sache que ce que tu fais là, c'est la première des qualités. En développement informatique, pour aller loin, il faut être curieux. Parce que si t'es pas curieux, bah, t'auras pas l'envie d'aller comprendre et d'aller chercher par toi-même comment fonctionnent les choses. Et à chaque fois, tu vas te retrouver bloqué, bah, ça va être difficile d'avancer. Donc c'est très bien, parce que du coup, là, t'as la curiosité d'avancer et tout, donc c'est une très bonne approche. C'est très bien. Bon, puis ça va, en première, t'as encore le temps de savoir ce que t'as envie de faire et ce de quoi sera fait demain. Ouais, un truc comme ça. Moi, perso, le développement web, j'ai commencé ça il y a quelques années à tout casser, quoi. Donc, voilà. Et l'informatique, j'en ai fait après le bac, pas avant. S'il n'y a pas plus de questions, écoutez, je vais vous laisser aller dormir. On reprendra la semaine prochaine, comme d'habitude. Faudrait que je le précise sur cette page-là. Faudrait que je le précise la semaine prochaine, comme d'habitude, à 21h15 le mardi soir. Normalement, il n'y a pas d'imprévu. D'ici là, ça sera comme d'habitude sur la chaîne YouTube, comme j'ai pu le poster un petit peu plus tôt. Et le Discord, pareil, j'ai posté un peu plus tôt. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser avoir posé. Pas d'autres streams de prévu cette semaine. Sauf si mon enfant se rétablit plus vite que prévu, dans ce cas-là, bah, je pourrais être dispo plus tôt que prévu et je recommencerai à streamer plus tôt que prévu. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine, à partir de lundi, où je recommencerai à coder sur DekiDeki. Et alors, je peux vous garantir qu'on a tout un programme, parce que... Ça, c'est la phase 2. Toutes les cases blanches, elles sont à faire. Sachant que, pour le déploiement qui vient d'avoir lieu, il y avait tout ça à faire. Donc voilà, je suis pas avare en idées, j'en ai plein. Dans le chat, on m'en propose régulièrement aussi, donc... Les choses avancent. Et il y a plein de trucs intéressants qui vont coller. Et je ferai peut-être un stream spécial pour programmer un puissance 4 qui interagit avec le chat. Alors je sais pas encore quand je ferai ça. J'essaierai sûrement de faire ça sur un week-end, histoire d'avoir du temps pour le faire. Et l'idée, ça sera d'avoir un puissance 4 qui s'affiche dans la page. Donc là, par exemple, à la page de merci d'être passé, etc. On aurait une grille de puissance 4 avec une consigne. Et ce seront les viewers qui pourront jouer au puissance 4. Donc à chaque fois, le bot qui sera dans le chat sélectionnera deux viewers. Et les deux viewers pourront s'affronter sur une partie de puissance 4 pour essayer de gagner avec un leaderboard, etc. etc. Donc j'ai envie d'essayer de coder ça. Et soit je le ferai sur un stream en semaine, soit je le ferai sur un week-end ou un truc comme ça. Comment t'as eu cette idée? L'idée du puissance 4? Ben en fait, je sais pas si c'est une question genre tu penses que je suis en train de plagier quelqu'un ou pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les streams de DekiDeki, le midi je prends une pause pour manger comme tout le monde, et donc du coup j'ai une page d'attente. Et un jour on m'a dit ah, ça serait rigolo d'avoir un truc pour faire patienter parce que c'est ennuyant ta page. Alors je me suis amusé à rajouter une grille de Sudoku, mais la grille de Sudoku c'est pas super marrant parce qu'il faut la recopier sur son cahier pour la résoudre, etc. C'est rigolo mais c'est pas exceptionnel, et j'aimerais bien avoir un truc un peu plus interactif. Donc j'étais faire mon petit footing, et quand je fais un petit footing, j'ai plein d'idées. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Alors, soit d'avoir un quiz, avoir un puissance 4, avoir une grille de mots croisés, avoir un sudoku, mais qu'on peut vraiment remplir, ou des trucs comme ça.
Il y a plein de trucs qui pourraient être faits finalement. Et donc je me suis dit, bon, puissance 4, ça pourrait être sympa à faire, parce que bon, c'est rigolo le puissance 4. Les parties s'enchaînent assez vite, etc. etc. Le problème d'un quiz, c'est que... Bon, remarque, non, il n'y a pas grand problème, ça peut être fait aussi assez facilement. D'ailleurs, sur le Discord, il y a une équipe normalement qui est en train de s'occuper d'essayer de faire le quiz. Donc voilà, on va essayer de coder ça et on verra bien. Donc ça sera 100% JavaScript, HTML et CSS. Il n'y aura pas de côté serveur à mettre en place, là encore. Donc ça pourrait être assez marrant à faire. Donc voilà, on essaiera de faire ça, je sais pas quand. Soit je ferai ça la semaine prochaine sur des streams réguliers, soit je ferai ça pendant un week-end si j'arrive à avoir un week-end au calme sans enfant. Voilà. On verra bien. Voilà pour tous les projets. Vous savez tout. Donc maintenant, je vais vous laisser aller dormir. Moi, je vais aller me coucher tôt aussi ce soir parce que les enfants malades, ça fait que la nuit, il faut se réveiller parce qu'ils sont pas en forme. Ils nous appellent. Alors du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!